une femme amoureuse. En 2012, c'est 2 ans après leur rencontre que Charlotte de Turckheim et Zamana Chemi se disaient oui. Invité sur le plateau de Quotidien, l'humoriste de 66 ans a accepté d'évoquer son mari. Il y a 10 ans, la jolie blonde avait reçu un coup de fil du ministère de l'armée afin de lui proposer de se rendre en Afghanistan afin de jouer son spectacle, Une journée chez ma mère pour les troupes de l'armée. Charlotte de Turckheim avait accepté à une condition. J'ai demandé à ce que Zamana vienne avec moi et donc quand j'ai dit ça au ministère de l'armée, il y a eu une grosse panique parce que faire monter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, un Afghan qu'ils ne connaissent pas, j'ai bien senti qu'il y avait quand même un mouvement de panique totale, a-t-elle révélé. Avec émotion, l'humoriste a confié à quel point ce voyage avait été marquant pour son mari, ce qui était vachement émouvant, si est-il que lui il a quitté son pays à pied à travers la montagne. Il a fui les talibans et les russes aussi surtout à l'époque. Et en fait, par le plus grand des hasards. D'abord, il revient dans ce pays dans l'avion du président de la République française, donc déjà, c'était très étonnant pour lui et pour moi ce retour en grande pompe. Ensuite, quand on est monté dans l'hélicoptère, c'était vraiment la guerre, les portes étaient ouvertes, il y avait des fusils mitrailleurs, on avait tous des gilets pare-balles, c'était la panique et tout. Et en fait, on a refait en hélicoptère pratiquement le chemin qu'il avait fait à pied. Je voyais qu'il était super ému et je n'avais pas compris au début pourquoi il était comme ça. C'était un moment assez magique. Charlotte de Turckheim est très amoureuse en 2014, si est-il dans les colonnes de Nous Deux que Charlotte de Turckheim se confiait sur son histoire d'amour avec Zamana Chemi. Si est-il le grand bonheur. Je suis tombé sur un homme extraordinaire. Il est bon qu'il ne soit pas arrivé plus tôt dans ma vie, je n'étais sans doute pas prête. Et j'avais tellement galéré en amour, avait-elle confié. Très amoureuse, l'humoriste avait ajouté avec humour, sur le papier, je n'aurais pas choisi Zamana, et lui non plus d'ailleurs ne m'aurait pas choisi. Faisait-elle remarquer. Tout nous sépare, et pourtant, nous sommes les mêmes. Je suis une fille de bonne famille du 16e arrondissement, lui est né à Kaboul, nos religions sont différentes et j'ai 10 ans de plus que lui, rien ne pouvait nous réunir. Si est-il assez miraculeux, cette affaire.